Je cultive du colza expansion depuis 2 ans. Je trouve cette variété très bonne en qualité et surtout résistante à la gelée. Par rapport à d'autres variétés, cette année j'ai trouvé que les goûts sont bien pris, surtout qu'il y a eu de la gelée. Toutes les goûts sont prises et certaines variétés, il y a eu la moitié des goûts qui ont été gelés quoi, à la fleur. L'année dernière, les rendements, vu la sécheresse et tout, l'humidité et les conditions météo, j'ai réussi à faire 31 quintaux en espérant faire minimum 40 cette année quoi. On a pas mal de problèmes d'odium, que ce soit en céréales ou en colza. Bah justement, il réagit très bien par rapport à d'autres variétés. Le FOMA, on ne voit pas beaucoup de taches. Les tiges sont encore bien vertes à même pas un mois de la moisson. Donc je suppose que les gousses, il n'y a pas trop d'attaques d'altise. On n'a pas eu d'attaque d'altise. Donc les gousses se remplissent bien et restent bien vertes. J'ai semé à 2 kg, 2 kg hectare avec 2 kg d'antilimaces mélangées. Et bon, tout a bien levé, on n'a pas eu de problème de limaces. Donc tout a bien levé et donc à 2 kg ça a très bien marché. Quoi. La surface, le champ était bien plein. Quoi. Il n'était pas haut, je ne l'ai pas raccourci ni rien. Même au printemps, je ne l'ai pas raccourci. Et les pieds étaient. Les feuilles elles étaient bien. Je pense qu'il y avait 1,2 kg de pois frais. Oui, ça devait être 1,2 kg et 1,1 kg à peu près sorti hiver. Donc il a bien comporté. La floraison, c'est justement, la floraison s'est faite un peu plus tardivement qu'une autre variété. Et donc la floraison s'est faite après l'hiver, après le gel qu'on a eu au printemps. Donc tout a bien passé, quoi. Voilà. Je recommande le DK Expansion et moi je vais faire moitié du colza et russique dans ma sole. Et l'autre moitié, je fais qu'une variété, je vais faire que de l'expansion. J'espère que ça marchera aussi bien que cette année. Voilà.